Merci beaucoup Florian. Bon bah, merci pour ce rendez-vous. Je vais réfléchir et je reviendrai vers vous. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une documentation ou envoyer une proposition? Non, non, non et non. Stop. Arrêtez d'envoyer des propositions par email à vos clients. Dans cette vidéo, justement, on va voir comment on peut traiter cette objection. Je vais réfléchir et envoyez-moi une documentation parce que c'est pas possible que vous continuiez à avoir ce type d'objection, à avoir ce type de réticence pendant vos entretiens de vente. C'est pas possible, il faut arrêter ces situations, il faut savoir réagir. Bonjour à tous, je suis Florian Poubrou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et expert en marketing digital, en performance digitale, et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes marketing ou des équipes de vente à mettre en place des dispositifs de lead generation automatisés à travers des tunnels de vente pour créer des business qui prospèrent, des business qui ont une croissance maîtrisée. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va traiter cette objection. Je vais réfléchir ou envoyez-moi une documentation. C'est pas possible de laisser partir un lead avec ce qui vient de vous dire ça. Déjà, je vais réfléchir ou envoyez-moi une documentation. Combien de fois dans votre vie vous avez eu une vente qui s'est faite après avoir accroché avec un lead qui vous dit je vais réfléchir, envoyez-moi une proposition. Non, ça n'arrive quasiment jamais, même pas 1% des ventes. Donc pourquoi vous êtes en train. Vous avez déjà perdu la vente. Alors vous n'allez pas en plus vous faire chier, excusez-moi du terme, à écrire un email, à faire une proposition par email, à envoyer de la doc à quelqu'un qui de toute façon sait pertinemment qu'il n'achètera pas votre produit. Si vous n'avez pas closé au téléphone, qu'est-ce que vous pourriez bien dire dans un email pour le convaincre d'acheter alors que vous l'aviez au téléphone? C'est pas possible, vous ne pouvez pas à un moment donné continuer à avoir ce type de comportement d'envoyer à votre prospect. Alors comment on réagit? Ben, déjà la première chose, c'est de repartir sur le comme le traitement de chaque objection hein, en trois phases. La première, c'est d'accepter et d'amortir finalement l'objection. Donc, je vais réfléchir. Très bien, donc vous avez besoin de temps pour réfléchir. Je comprends que c'est une décision relativement importante pour vous, donc vous acceptez. Mais j'aimerais bien comprendre quelque chose, monsieur le prospect. Vous voulez réfléchir à quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu comme information aujourd'hui dans l'entretien qui fait que vous n'avez pas envie de travailler avec moi immédiatement? Et là, vous allez passer, soyez honnête, parce que je vais vous dire quelque chose, je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais vu un lead qui me dit je vais réfléchir, finalement, acheter le produit. Et donc, une fois que vous avez dit ça, faut bien comprendre que la plupart du temps, les gens qui veulent réfléchir, c'est soit ils sont pas décisionnaires, mais ça, normalement, vous l'avez vérifié avant d'avoir le call avec lui, mais si vous ne l'avez pas vérifié, soit tout simplement c'est un problème d'argent, donc rentrez lui dans le tas, rentrez dans le truc, enfoncez la porte. Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui votre problématique c'est qu'est-ce qui se passe? Alors il peut vous dire j'ai envie de comparer les offres. Vous voulez qu'on le fasse tout de suite, on compare les offres ensemble si vous voulez. C'est quoi? C'est une problème. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes au téléphone avec moi? Si je vous dis que je suis capable de résoudre cette problématique, qu'on est capable de travailler ensemble, est-ce que vous avez envie qu'on travaille ensemble? Vous avez le droit de me dire non. Aussi, ça c'est important, c'est de leur dire, vous avez le droit de leur dire non. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, si le prix vous convient, signons tout de suite. Il faut pas vous laisser sortir les gens. Vous devez closer au téléphone, vous devez finir la vente. Les gens doivent s'engager à l'achat au moment du téléphone. Et la plupart du temps, quand ils vous disent je vais réfléchir, c'est un problème d'argent, donc proposez-leur. Vous dites, mais est-ce que c'est un problème? Vous n'avez pas l'argent tout de suite. Est-ce que du coup, en vous le faisant en trois fois, ça vous permettrait peut-être de le payer? Après, je ne sais pas les conditions de votre entreprise, mais ça serait intéressant de pouvoir faire payer les gens en plusieurs fois, vous voyez, avec votre banque. La deuxième objection, c'est envoyez-moi une documentation. De la même façon, j'ai compris que vous vouliez que je vous envoie des documents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie? Dites-moi là tout de suite que je peux vous envoyer. Je vais le faire immédiatement pendant qu'on est au téléphone ensemble pour comme ça vous avez les éléments et on va pouvoir
les traiter ensemble, les regarder ensemble, et puis peut-être me faire la vente. Est-ce que... Alors là, le bouquin, non, mais j'ai besoin de réfléchir, on revient à réfléchir. Enfin, voilà. Sinon, vous lui envoyez directement, et vous lui dites, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dans un email que je ne vous ai pas déjà dit aujourd'hui pour conclure la vente? Non, mais on a des process internes, etc. D'accord, vous avez des process internes, vous avez besoin de passer le dossier à un service achat, etc. Je comprends, mais moi j'ai besoin de savoir aujourd'hui si on va travailler ensemble ou si on ne va pas travailler ensemble. Est-ce que vous êtes convaincu que je peux résoudre votre problématique? Oui ou non? Oui, je suis convaincu que vous pouvez m'aider. Est-ce que aujourd'hui, c'est vous qui avez demandé à m'appeler, hein, c'est pour ça que c'est important d'avoir un processus de vente inversé, c'est lui qui vous demande à vous appeler. Grâce à du marketing automation, grâce à du contenu, vous pouvez faire en sorte que vos leads vous appellent. Moi, en toute honnêteté, j'ai envie de travailler avec vous, je suis persuadé que je peux vous aider, mais je ne peux pas. Il faut qu'on prenne une décision aujourd'hui. Si je suis capable de vous aider, si le prix vous convient, si tout ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne signe pas? C'est intéressant, et dites-lui aussi que voilà, vous avez jamais vu quelqu'un qui vous répondait après une proposition commerciale. Je l'ai fait, moi, j'ai fait l'erreur la semaine dernière avec quelqu'un où je lui fais ce cadeau après avoir beaucoup insisté. Il me dit, mais envoyez-moi une proposition. Bah, je lui ai envoyé la proposition. Bon, ça me faisait un petit peu chier, entre guillemets, je suis désolé du terme, mais ça m'embêtait de faire cet email. Je lui ai envoyé, mais je sais qu'il, de toute façon, il signera pas. Il signera pas. Il n'a pas eu le courage, l'honnêteté de me dire, votre service est trop cher. Mais ça sert à rien de perdre du temps. Vous avez déjà perdu la vente quand il vous demande de réfléchir ou qu'il vous demande de lui envoyer des documents. Dans 98% des cas, vous avez perdu la vente. Si la personne a envie de travailler avec vous, si le prix lui convient, si elle est persuadée que vous êtes la bonne personne, elle va vous le dire au téléphone. Et me dites pas que non, il y a des services achats. J'ai travaillé avec des laboratoires pharma, avec des grands groupes pendant une dizaine d'années, et je vous assure que si c'est bon, si la vente elle est faite, ils vous le disent au téléphone. Ils me disent bon, ok, moi ça me va, j'ai vraiment envie qu'on avance ensemble, etc. Alors effectivement, il y a un processus de, mais moi je veux qu'on travaille ensemble. Je vais voir avec le service achat. C'est comme ça que ça doit se passer. Et moi, ça s'est passé super souvent dans ma vie. Donc les services achats, c'est pas un problème. Les processus avancent, bah, les processus interne, si vous êtes bloqué dans les processus internes, c'est que votre offre elle n'est pas irrésistible, c'est que votre offre elle est dans la moyenne et donc il va vous comparer. Et ça, bah, désolé, c'est de votre faute, c'est que vous êtes moyen, vous ne bossez pas suffisamment votre offre, votre proposition, et donc oui, vous vous retrouvez en compétition. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, cette objection, vous devez la travailler. Entraînez-vous, c'est pas naturel de travailler des objections. Vraiment, entraînez-vous. Mais vous ne devez plus envoyer par email des propositions commerciales. Ou en tout cas, si vous le faites, non, en fait, vous n'envoyez pas des propositions commerciales. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec la personne pour lui faire la proposition commerciale par téléphone. En Google, je sais pas, en Google Meet, en Zoom, en web conférence, mais vous n'envoyez pas des documents. Encore pire, des fois, vous envoyez des documents et puis c'est vos concurrents qui les récupèrent pour moins cher. Ils font la même chose que ce que vous vouliez faire. Donc, ne faites pas ce genre de choses. N'envoyez pas des propositions commerciales et laissez pas votre client réfléchir. De toute façon, ça sert à rien. Il a déjà réfléchi. Ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure que vous êtes au téléphone avec lui. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez plus de conseils en vente, si vous voulez plus de conseils en marketing digital, si vous voulez savoir comment monter des tunnels de vente ou créer des stratégies de marketing de contenu pour avoir du marketing automation, du marketing automatisé qui vous apporte des clients de façon automatique, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que c'est vraiment tous les sujets dont on va discuter aujourd'hui et je fais quasiment une vidéo par jour. Donc les sujets, on va les traiter, je vous assure. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business, beaucoup de succès dans vos ventes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.